D'accord, nice. Et Freddy, oui, contrôle de map et pouvoir... Et pouvoir pendant les chaises est fort, mais surtout ne demande pas un gameplay de ouf. Pas arriver à un bon level. Bah les Dreamsters sont assez simples à utiliser. Et en vrai, le truc c'est quoi? Après c'est... C'est bien que ce perso là tu puisses te prendre en main. Oh, il a châtiment. Faut que je fasse attention parce que du coup, j'ai pas de rayon de terreur. Est-ce que je peux le voir de loin là? Niveau 3 c'est 40 secondes, j'imagine que niveau 2 ça doit être 35 secondes, un truc comme ça. Châtiment c'est une perque du Deathslinger. Peut-être que du coup c'est le Deathslinger. Après bien sûr non. On va pouvoir la heal. Il a bouché sa dick. Ou alors il a un Adonis tropiment. Non, on aura entendu son pouvoir je pense. Du coup bouché sa dick. What the fucking shit. Comment ça avait flippé. C'est une hug, ok, très bien. Je prends 8. Je vais partir vers là-bas parce que je sais qu'il n'y a pas de trappe. Ok. Ça va être tendu comme game. À la troisième saut. Oh goddammit. À la troisième saut. Troisième saut, bouche sadique, châtiment. Ok. Je sais pas si c'est la ruine. Elle pourra pas TP direct, puisqu'elle a déjà TP. Est-ce qu'elle va TP sur moi? Non, elle chase à l'oreille. Ok, ça va être une game e-sport du coup. Ok, un totem de sort là, golfer. Logiquement, vu son build, ça m'étonnerait qu'elle ait été rentée, puisqu'à mon avis, elle a une corrupte. Tout est hug, je corrupte, non? Donc, troisième saut et châtiment. Bouche sadique, ouais, je pense qu'elle joue corrupte. Ne me dites pas que c'est un terrain hanté. Troisième saut, en gros, quand elle te met un hit. T'es aveugle, donc t'as pas de repérage d'aura. Ce qui veut dire que si quelqu'un tombe à terre, tu le verras pas. Ah, elle m'a bloqué, goddammit. C'est la merde. Ok, je pensais pas qu'elle avait posé un trap là. Nice. Mangeur d'espoir, info sûre. C'est dommage que j'ai pas eu l'info du corrupt. Pour moi, il y avait pas de corrupt, mais. Tu penses qu'elle a mangeur d'espoir? Il va falloir être le meilleur joueur du monde. Bah là, ça va être une game tendue en vrai. Si elle arrive à avoir 3 gen pack, après, on a quand même fait le châtiment. Mais il reste le 3ème saut. Là, par exemple, tu vois, elle est tombée, on sait pas où elle est tombée. Là, elle a été pique, puisque là-bas en surveillance. Là-bas en surveillance en bas à gauche, faut faire très attention où elle se fait accrocher parce qu'après on verra plus Laura. Je crois que c'est le trap là. On s'en fout. Elle va TP? Ah, elle a TP, ok, nice. Parfait, j'ai Vinny Boy. Du coup, je prends Knight. Non. Elle a été hook basement, c'est une hug. Elle a été décrochée, nice. T'es sur moi peut-être? Non, chase out. Y'a pas de totem de sort là. Je l'ai entendu, il est là. C'est pas grave, j'ai mon force intérieure. Est-ce qu'elle va me suivre? Ok, je vais au niveau du casier, après je vais faire le totem. Faut que je me dépêche hein, par contre. Salut Panche. Harpy c'est fort ou pas? Contre 4 joueurs en solo queue, ça peut. C'est fort, ouais.
Ok, je vais essayer de faire le totem de sort. Elle a remis un trap là? J'ai pas l'impression qu'elle ait mis un trap, mais je, comme je sais, on sait jamais. Comme qu'elle est mis dans l'herbe en face de moi. Oh, god damn it. Je te déteste, Jane. C'est grave. Mais toujours dans le basement. Ah, c'est terrible, la honte. Eh bah, chest basement, je pense. Ouais, chest basement. Le premier game sur le jeu, en survivant, je suis tombé contre... Ah, je connaissais pas ses pièges, j'ai fait un bond de 30 cm au premier déclenchement. Ouais, ça fait peur au début. Hein. C'est vraiment flippé, hein. Un tremplin. Je garde mon sprint burst. Ah, la ruine! Ah, c'est intéressant de savoir ça en vrai. C'est intéressant de savoir qu'elle a la ruine. Ok. Donc elle n'avait pas couru pour mes ruines. Elle a combien de totems? Bah, elle a châtiment, 3ème CO et ruine. Elle a 3 totems de sort. La dernière peur que c'est bouche sadique. Je prends le piège ici et je pars directement vers la fenêtre. On va garder l'aggro ici. Pas vers moi que le piège là. C'est Drax. Pour toi, les survivants sont plus avantageux ou c'est le tueur? Bah, ça dépend de la situation en vrai. Elle a un trap là, j'ai sprint burst. Là, le truc, c'est qu'avec le win, c'est la game mort, je pense en vrai. Elle donne violet de son. Je connais pas trop les zones de l'arpige en termes de vœux. En termes de valeur et tout, mais je crois quoi, ça nous donne violet. Ruine immortelle, non, elle a pas immortelle, elle a châtiment. En vrai, châtiment sur Hag, je suis pas convaincu du truc en vrai. Un immortel, ça aurait été plus intéressant, non? J'imagine que je vais devoir aller sauver. Hein. Ok, j'ai déjà les sauver. Bah non, il est sur moi en fait. Je sais pas qu'il a attrapé chaque par contre. What the fuck? Oh, let's go! Ok. Ok. Ça me rappelle un épisode, ça. Ok. Je vais reprendre déjà le nain. C'est un gros casu DVD, je vous précise. Que me conseilles-tu? Oh, il arrive là. Je vais répondre à ta question après. Mais genre, y'a pas de gen sur la map?
Ah non, là avec l'urine, elle va camper ici, avec l'urine actif. C'est terminé. Bon, j'essaie de trouver ce rune. Elle aura juste la patte pour utiliser, je crois. Ouais, elle va juste utiliser la patte pour rien, je pense. J'ai mal de l'impression sur Janna. Oh non, elle est allée sauver la Fang, ok. T'es bien là? Je m'en trouve de soin, même s'il n'y a qu'une charge. Ok. Je pense que cette game est morte en vrai. Que me conseilles-tu comme build Démon Gorgon? Corrupt. Après, est-ce que t'as tous les DLC ou pas, Okido? Je vais essayer de m'adapter selon les DLC que t'as. DS. Jane? Allô? Oui. Salut Vertuel, je viens à toi, comment on va? Oui, tous les DLC, ok. Je dirais Corrupt, tout réjoué. Chili. Et quatrième perk au choix, je pense. Ok, ok, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. Non? What the fucking shit, mais t'es où? L'urine est là? Non. Ok. Quatrième choix, qu'est-ce que je pourrais conseiller en vrai? Sur le démo. Ah, gardons le meilleur pour la fin! Gardons le meilleur pour la fin, j'ai complètement oublié. Gardons le meilleur pour la fin. Tu M2 l'obsession et tu fais du M1 sur les autres, c'est un régal. Juste un régal. J'avais complètement oublié. Oh, je me suis bloqué dans le. Tarpanus Bull. Elle pose un trap au niveau du Jagged Gym là. Oh goddammit. Pas que je n'y se gêne, non? Ah bah vu. Ok, dis-moi qu'il n'y a pas de trap dans l'endroit où je vais là. Nara, je crois. Non, non, c'est derrière. J'ai quand même 99 mon spin burst. Allez, sûrement. Fuck. Non? C'est ok. Ok, ok, elle a pas Noed. Ok, ok, ok. Je saute avec le spin burst 99, je me casse avec le spin burst. Que nice. Elle a tapé. Ok, ok, elle a bro. Spin burst. Elle met le coup dans le vide. Nickel. On se casse, on se casse. Smogogo, smogogo là. Ok, le bourreau. Bah, la porte. Ok, ok, ok. Je crois que t'es morte. Je suis pas sûr, mais là, ça va être compliqué là. Oh, quoi que, attendez, la Fang protège. Ok, ok, ok. Elle est morte. Bon, Feng Feng, c'est. Nous allons sortir à deux. C'est un plaisir de t'avoir connu, Jane, mais je pars avec la Feng. Hop. Merci, Inaf, pour le follow. Bienvenue à toi. Ça va de fucking shit. Et du coup, c'était quoi les add-ons? La distance des pièges. Les survivants qui déclenchent un piège fantôme sont du sourd pendant 6 secondes au cas. Bah, ça s'est pas trop mal passé vu le début. Par contre, j'ai un petit peu du mal avec le châtiment sur A, je sais pas trop à quoi ça sert.